Nous sommes venus pour tenir un comité exécutif national à l'invitation de Invest in Reims. Et nous avons pu découvrir que l'activité économique de cette ville était quelque chose de particulièrement important, de particulièrement dynamique. Et donc nous allons essayer, avec notre association DCF de Reims, de rebondir sur ce dynamisme pour amplifier notre développement sur Reims. On a travaillé toute cette année durant sur l'arrivée du TGV en Auvergne. Ce qu'on a recherché, nous, c'était de regarder dans des villes comparables ce qui avait été fait, comment ça avait été mis en place, comment ça avait été organisé. Et je dois reconnaître que la qualité de l'accueil que nous avons reçu ce matin, le dynamisme qui respire autour de cette ville montre qu'effectivement il se passe des choses, mais à mon avis elles ne se passent pas par hasard. Donc effectivement c'est valeur d'exemple, c'est du benchmark qu'on peut prendre. L'analogie est toujours bonne à prendre. Oui, valeur d'exemple. Quand on voit la dynamique économique qu'il peut y avoir sur cette région, les grandes entreprises qui ont fait le choix de s'installer à Reims, quelquefois de se déplacer depuis Paris pour venir jusqu'à Reims, j'ai là vraiment de belles perspectives de mise en avant du territoire de Reims. J'ai été agréablement surpris ce matin par la présentation qu'on nous a faite et qui fait retranscrire le dynamisme que je sentais. Dynamisme que j'avais perçu il y a quelques années quand j'étais venu dans la région, pour monter un partenariat avec une entreprise qui est aujourd'hui toujours partenaire de mon groupe et qui m'avait dit dans quelques années on parlera de notre région en bons termes et notamment des termes élogieux concernant le dynamisme. Je confirme, la région rémoise et les entreprises rémoises sont très dynamiques et surtout le territoire est très dynamique puisque vous attirez de très très belles enseignes sur le territoire. J'ai trouvé au travers des gens qui animent Invest in Reims une volonté farouche de faire venir des entreprises importantes, de les accueillir avec beaucoup de qualité. Et je pense que ce sont des qualités qui permettent effectivement à des entreprises d'avoir l'oreille attirée par toutes ces propositions et à venir se développer ici. Invest in Reims.